Allora, buonasera, bonsoir Bonsoir. à toutes et à tous. Bonsoir Bonsoir. Mireille, bonsoir. Alors, voilà tout le monde. Alors, bienvenue encore une fois au Jeudi des Alliances françaises. Cette fois-ci, il y a l'Alliance française de Vérone qui propose une conférence tenue, animée par Mireille Zambonato, donc une conférence historique. Et je ne vois pas, voilà, la présidente de Vérone, Lia, et donc si tu veux, tu peux activer ton micro et vas-y. Voilà, saluer les intervenants et les intervenus, les gens qui sont là. Merci, Bonsoir à Lia. À tous, toi la bonsoir à parole. tous, bonsoir à tous et à toutes. Et je te remercie encore, Lello, je Parfait. remercie tous les participants et également et notamment notre Mireille, notre expert d'histoire, qui est passionnée d'histoire et qui désormais a créé à l'Alliance française de Vérone ces événements. Et donc, en tant que présidente, je la remercie beaucoup parce que ces conférences, comme vous avez vu, sont très intéressantes et également très précieuses. Donc, merci à Mireille et avec tout mon cœur. Et merci à tous les participants. Donc, ce soir-là, c'est le premier rendez-vous sur la commune. Et bientôt, il y aura également un autre rendez-vous. Mais Mireille va vous expliquer tout, je crois, à la fin ou au début de la conférence. Donc, merci et écoutons notre Mireille. Voilà. Merci encore, Lello. Je t'en prie, Lia, et à toi la parole, Mireille. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas trop spécialiste d'histoire. Disons que je suis passionnée et que c'est une passion que j'aime bien partager. Donc, nous allons rester modestes, surtout pour moi. Alors, si vous vous souvenez, je pense que les personnes qui sont ici ont peut-être participé au mois de novembre, à la première, on va dire, la première intervention qui était sur Sedan, la bataille de Sedan. Et la bataille de Sedan, bien évidemment, nous l'avons perdue face aux Prussiens. Et ceci est donc la suite. La prochaine fois, c'est-à-dire, je crois, fin mai, c'est un jeudi aussi, je vous présenterai la deuxième partie de cette commune de Paris, puisqu'aujourd'hui nous allons voir la commune de Paris, la deuxième partie de cette commune de Paris qui traitera de la semaine sanglante. Alors, la semaine sanglante, ça fait peur, il y a de quoi. On fera une petite promenade au cimetière du Père-Lachaise, d'ailleurs, où sont enterrés, où c'est fini la commune, tragiquement, et où sont enterrés certains communards et d'autres sont par milliers dans les fosses communes du cimetière du Père-Lachaise et d'autres deux cimetières de Paris. Alors, je vais un peu rappeler les faits. On va se remettre un peu dans l'histoire. Deux hommes s'opposent. Ils s'appellent Napoléon III, un empereur des Français, et l'autre Otto von Bismarck. Napoléon III est malade à l'époque, 1870. Nous sommes premier semestre 1870. Et il est mal informé par ses ministres et il va déclencher une guerre la plus absurde qui soit
avec la Prusse. Le 19 juillet 1870, donc mi-1870, la guerre éclate. La guerre éclate et là, la France, pas simplement Paris, va vivre l'été de tous les désastres. Et on aboutit au 1er septembre à la catastrophe de Sedan. Sedan, c'est vraiment, on pensait, la France pensait, une armée, une excellente armée, des généraux, on va en faire deux bouchées de ces Prussiens. Bah, c'est les Prussiens qui ont fait deux bouchées des Français. Alors, le 4 septembre 1870, on apprend à Paris la défaite de Napoléon III à Sedan. Donc, le peuple de Paris se soulève. Il envahit le palais Bourbon et c'est la proclamation de la République. Pas dans le sang, c'est une des rares d'ailleurs qui ne s'est pas fait dans le sang. Le sang est venu plus tard, un an après. Et ça a donné naissance à un gouvernement de la défense nationale qui voulait poursuivre la guerre. Les Prussiens sont à Sedan, ils arrivent à Paris 15 jours plus tard, hein, le 19 septembre. C'est le blocus de la ville de Paris. Et c'est pendant ce blocus, c'est le siège de Paris, hein, que va prendre forme l'idée d'une commune. Alors, les hommes politiques commencent à se placer. Il y en a un qui part d'ailleurs, Léon Gambetta, lui, quitte Paris en ballon. À l'époque, ça se faisait, puisque Paris, c'est une ville fortifiée, on pensait qu'elle pouvait tenir. Lui, il part en ballon à Tours pour y défendre, chercher pour défendre le territoire. Alors, il y a un gouverneur militaire de Paris, hein, qui s'appelle le général Trochu, et c'est lui qui va faire partie du gouvernement provisoire. Comme disait Victor Hugo, Trochu, participe passé du verbe trochoir. Hein? Il a vendu Paris. Alors, il y a trois Jules, Jules Fabre, Jules Ferry, Jules Simon, et tout ce beau monde est un peu critiqué parce que tout ce beau monde... ben, veut abandonner la place, quoi. C'en est fini, quoi. Alors, il y a une armée régulière, hein, il y a la garde mobile à Paris, mais surtout, la principale force de Paris réside dans sa garde nationale, c'est-à-dire qu'elle a environ 250 000 hommes en armes qui ont été recrutés, qui sont recrutés, 250 000 hommes, qui sont organisés par quartier, par arrondissement, qui élisent leur chef et qui appartiennent à peu près à toutes les classes sociales toutes les classes sociales. Et eux, ils veulent en découdre, hein, on ne va pas s'arrêter là. C'est surtout les arrondissements de l'Est parisien. Et eux, ils veulent une guerre à outrance. Et d'ailleurs, on va les appeler les outrances, ces gens-là. Et Trochu, lui, il n'en est pas question. On ne fait rien. Ça, c'est le premier aspect. C'est visiblement, à Paris, il y a une résistance que le gouvernement provisoire ne veut pas, mais Paris bouillonne. Deuxième mauvaise nouvelle, si on peut dire, Bazaine à Metz, c'est un maréchal, lui, il se rallie au gouvernement de la... Il refuse de se rallier au gouvernement de la Défense nationale et lui, il abandonne la place. Il ne combat pas à Metz en octobre 1870. Ben, il renonce à poursuivre le combat et lui, il veut obtenir de Bismarck le droit de s'arrêter, si on veut. Hein. Et il veut, en réalité, tout ce beau monde veut défendre l'ordre social bourgeois, hein, contre les mauvaises passions, comme il disait. Et les mauvaises passions, eh bien, c'était Paris qui bouillonnait. Alors,
Le 31 octobre 1870, tout de suite après Metz, ceux qu'on a appelés les outrances, ceux qui veulent continuer le combat, prennent d'assaut l'hôtel de ville où il y a le gouvernement et ils ont la ferme intention de commencer à constituer une commune, c'est-à-dire un gouvernement révolutionnaire qui va, lui, vaincre l'ennemi et qui prendra les mesures nécessaires. Bon, ça, l'affaire ne marche pas parce qu'ils sont divisés, ils ne sont pas bien constitués, c'est encore trop précoce. Eux, ils continuent à dire « il nous faut faire une sortie en masse », c'est ce qu'on appelle les sorties en masse quand on fait des percées. Et tout d'un coup, ils vont apprendre qu'un des Jules, puisqu'ils sont trois Jules, un des Jules est allé, c'est-à-dire Jules Favre, est allé à Versailles pour négocier l'armistice avec Bismarck. Alors, on va tenter encore un soulèvement le 22 janvier 1871, puisque maintenant on est dans l'année 1871. Rien à faire. Le 28 janvier, l'armistice est signé. La honte totale. Paris doit capituler. C'est ce qu'on appelle Flourens, un des communards plus tard, qui viendra un des communards plus tard, dira « Paris a été livré ». Les Allemands, les Prussiens, eux, ils demandent une élection. Hein, ils veulent parler à une chambre élue, hein, qu'ils aient en face d'eux une chambre élue. Et il y aura une assemblée nationale, effectivement, qui sera élue. Et là, l'assemblée nationale, pas contre toute attente, parce que tout le pays est monarchiste. Et l'assemblée nationale qui verra le jour au 8 février, eh bien, elle est monarchiste. Donc, tout à fait, tout est là pour opposer Paris et la province. On a un homme qui s'appelle Thiers, Adolphe Thiers, qui lui s'opposait déjà à Gambetta. Adolphe Thiers devient le chef de l'exécutif. Bon, maintenant, il va falloir parler de la paix. Alors, Paris a élu beaucoup de députés républicains, au contraire de la province. Et il y a parmi les députés républicains, il y a Victor Hugo, et lui aussi, il n'est pas d'accord pour... il refuse totalement l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Moselle que Thiers va devoir donner aux Prussiens. Alors, on est en plein printemps 1871, il fait beau, il commence à faire chaud et c'est là que Paris va encore plus se chauffer. Ça rappelle d'autres printemps bien des années plus tard. Hein. Alors, Paris va connaître un véritable accès de fièvre. Il en aura d'autres et il en avait eu d'autres. Il en avait eu d'autres. On avait pendant deux millénaires, on a connu des révoltes. Contre les seigneurs, par exemple, les premières révoltes, ceux qui opprimaient les campagnes. Et lorsque l'État a été créé, c'est contre la misère et le désespoir, par exemple, des paysans. Souvenez-vous peut-être, enfin pour ceux qui sont plus français, mais en France, il y a eu Jacou le Croquant. C'était une révolte des paysans qui n'avaient plus rien à manger. Avec la démocratie, c'est le troisième niveau. Certes, les inégalités étaient moins importantes, mais les révoltes, elles vont être des revendications de classe et de corporations, milieux professionnels. Et là, je pense au Canut de Lyon, par exemple. Alors, cette commune de 1871, en réalité, c'est une période d'histoire qui est très peu connue.
Et c'est une période d'histoire qui est dénigrée par l'histoire officielle. Alors la commune, on la connaît parce qu'on va se promener au cimetière du Père-Lachaise quand on est à Paris, ou parce qu'on fait quelques lectures, et que là on se dit, mais mon Dieu, mais combien sont-ils morts? Et c'est un chiffre faramineux. Ils ont été exécutés, je dirais même sommairement. Ils ont été massacrés, ils ont été jetés dans des fosses communes. Et on se dit, mais alors, ces hommes et ces femmes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour qu'en plus qu'on les ait tués, on ne parle pas d'eux, que l'histoire nie totalement leur existence et veut effacer leurs traces à tout jamais. Et là, on se rend compte que la commune, ce n'est pas simplement des cadavres. C'est pas des barricades, parce que Paris, les barricades, je dis pas que ça fait rêver, mais on voit Paris, les barricades. C'est pas le Paris incendié, parce que 1871, la commune, c'est les incendies dans Paris. Mais c'est aussi des hommes, des idées, des actes de révolution, certes. Et il y en a qui, elles sont tellement novatrices, ces idées et ces actes tellement modernes, ce qu'ils ont voulu faire. Il y en a certaines des actions qui étaient prévues par la commune. Il a fallu attendre 100 ans après pour qu'elles voient le jour. Alors, en réalité, ces hommes et ces femmes de la commune ont voulu un monde meilleur. Alors, c'était peut-être une utopie. Ils ont voulu prendre leur destin en main. Ça a flambé. Ça a duré 72 jours ou 71 jours, comme on veut. Ça dépend comment lesquels on parlait. Victor Hugo a dit « Le cadavre est à terre, mais l'idée est debout ». Je trouve que c'est assez joli. Alors, on va voir dans la première partie. Alors, je ne sais pas, Lélo, tu pourras peut-être présenter le... Écoute, oui, mais je ne connais pas la feuille de route. Donc, peut-être que c'est mieux que c'est toi qui le présente. Alors, je vais te donner la feuille de route. Déjà, je vais te diviser en trois parties. Oui, écoute, mais je ne peux pas savoir quand tu veux changer de diapo. Ah oui, d'accord. Ça devient plus compliqué. Ah oui. Alors, dans la première partie, je vais voir effectivement les événements. Pourquoi il y a eu une commune? Est-ce d'ailleurs la première commune, ou y en avait-il eu d'autres avant? Y en a-t-il eu d'autres ailleurs? Ça, on verra au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans la deuxième partie, je vais dire quels étaient les participants à cette commune. Et dans la troisième partie, l'œuvre de la commune. Alors, je dis l'œuvre de la commune, on ne va quand même pas parler d'œuvre. On ne peut pas, parce que la famille, elle a eu que 71 ou 72 jours, elle n'a pas pu tout mettre en mouvement. Alors, ce sera la prochaine fois que je vous présenterai la semaine sanglante. Hein. Celle qui vit, ça a vu la fin de tous les espoirs. Toutes les utopies, tous les rêves s'en sont allés, se sont envolés, alors qu'ils auraient pu être faits. Mais bon, ça s'est terminé dans le sang, dans des bains de sang affreux. Bon, je vais vous lire une petite phrase que j'ai trouvée et qui est belle pour Paris. Alors, c'est pas, je ne pense pas qu'elle soit de Jean Jaurès, mais cette ville a un génie unique pour la révolte et la révolution. On l'a affamée, ben oui, pendant le blocus. On l'a bombardée, parce que tous les jours, Paris recevait des boulets de canon envoyés par les Prussiens qui était sur des situations plus en hauteur. On l'a humiliée,
Et quand les importants la croyaient morte, elle s'est redressée, rebelle et généreuse, défiant le vieux monde et appelant par-delà les remparts assiégés au salut commun et à la République universelle. Ça résume tout. Franchement, ça résume tout parce que à ce moment-là, Paris s'est réveillé. Bon, ça a fait un peu de mal, certes, mais elle a fait naître quelque chose. Alors, je ne sais pas si je partage quelque chose. Est-ce que vous souhaitez? Ben oui. Alors, vous souhaitez. Alors, je prends mon petit papier. Je condividerai l'osquerme, n'est-ce pas? Oui. Je vais récupérer mon PowerPoint. Mon PowerPoint, le voilà. Le voilà. Lancez double-clic. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il faut quelques instants. Ah! Et je vais agrandir. Tu as lancé, alors, tu as ouvert ton PowerPoint, mais tu dois le partager avec nous, donc condivide le schermo. J'ai déjà condividé nos schermes. Oui, tu vas choisir la fenêtre, l'onglet qui contient le symbole du PowerPoint. Tu y cliques deux fois et on va voir. Vas-y. Ben, j'y suis, hein. Tu as cliqué deux fois sur l'icône du PowerPoint dans la vignette des partages. Ah, oh, attends, alors je vais revenir. Ça, je savais bien que ça allait pas marcher du premier coup, cette histoire. Alors, ah, je peux aller lancer, non, pas lancer la rue. Je clique à la vanne. Non. Alors, Mireille, tu as ouvert ton PowerPoint? Oui. Ok. Tu vas sur Condivider le schermo? Oui. Ok. Tu y es? Oui. Tu trouves beaucoup de vignettes. Il y a la vignette où il y a le symbole de PowerPoint. Maintenant, je vais mettre Condivide. Voilà. C'est bon? Ben oui, mais tu as partagé l'écran. De toute façon, ce n'est pas grave. Va sur l'icône du PowerPoint et ouvre-le. Tu l'as en bas. Ouais. Ah ouais, pardon. OK. Ouais. Plein écran, c'est-à-dire diaporama, voilà. Je dois enlever mes trucs ici. Non, tu dois aller sur diaporama, sur les... ou en bas à droite, il y a l'icône de l'écran. Ah oui, oui, excuse-moi. Ça doit encore, être... encore, continue, encore. Vas-y, encore. Clique. Et voilà. Voilà. Vous voyez bien? Très bien, merci. Bon, excusez, hein, des fois je tâtonne. Alors, il y a un sommaire dont je vous ai expliqué le contexte. Voilà. Alors. Donc, je vous rappelle ici tout ce que je vous ai déjà dit. On a fait une guerre stupide. Napoléon III a fait une guerre stupide. Voilà nos deux hommes qui s'opposent, Otto von Bismarck et Napoléon III. La France est humiliée et à genoux. Donc, il n'y a rien à manger à Paris. Et donc, ce vendeur de rats vous montre que pendant le siège de Paris, ben, on mangeait les rats. En 1870, 1,7 million d'habitants, donc 1 million, sont dans l'indigence. Voilà. Alors, les fameuses élections du 8 février 1871. Alors, le Père Duchesne, c'est une série de...
de journaux dits satiriques de l'époque hein, et qui montrent, il n'y en a pas eu beaucoup, mais de façon satirique, comment. Et celui-là, c'est le petit père Pierre, hein, la République présente Pierre sous la forme d'un nouveau-né un peu chétif et dire qu'on voudrait me faire reconnaître ce crapaud-là. La République ne le reconnaîtra jamais. Alors, comme je vous disais, la province de la paix, les monarchistes. Paris a élu 36 députés républicains, dont Victor Hugo. Deux hommes s'opposent, Adolphe Thiers, Léon Gambetta. Les Parisiens détestent Thiers, c'était un grand bourgeois. Ils l'appellent Foutriquet ou Thiers Ier, roi des capitulaires, c'est-à-dire l'intérêt et l'amour qu'ils avaient pour Thiers et la confiance, surtout la confiance qu'ils n'avaient pas en lui. Alors, ce Thiers, en réalité, Thiers et tous les autres à l'Assemblée, ils ont plus peur de la capitale que des Prussiens. Alors, les forces en présence dans Paris. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un tableau, hein, et on voit des pavés. Donc déjà, les pavés et les barricades, c'est, disons, un air un peu connu dans Paris, qui en avait déjà connu en 1830 et en 1848. Donc, en 1871, on remet le plateau. Alors, cette commune, c'est une lutte, c'est une guerre civile, il n'y a pas d'autre mot, c'est une lutte fratricide entre les fédérés et les Versaillais. Alors moi, je voudrais enlever les... C'est pas que... Les images à côté. Donc, bon, j'arrive pas à les enlever, mais bon. Alors, en réalité, donc c'est une guerre fratricide. Des Parisiens vont rester dans Paris et d'autres, les Versaillais, le gouvernement légal, hein, puisque lui c'est le gouvernement légal, il est à Versailles. Il faut savoir que Paris est un contexte particulier. À Paris, la société est divisée, en France d'ailleurs, la société est divisée en deux. Les riches, les patrons, les bourgeois, de l'autre côté, des ouvriers, des artisans et le petit peuple. Et le petit peuple, il vit au jour le jour. Hein? Alors, de 1860 à 1870, Paris a vu doubler le nombre de ses habitants. Ils sont passés à 2 millions. Beaucoup venaient de province. Par contre, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, ils travaillaient au jour le jour, ils se faisaient employer au jour le jour, hein, et ils vivent dans la misère. Certes, d'un côté, ce que tout le monde connaît, c'est qu'il y a eu le préfet Haussmann qui a cassé Paris totalement, qui a créé les grands boulevards, qui a créé les quartiers bourgeois plus que bourgeois. Et puis, il y a les autres qui vivent dans les quartiers populaires, le quartier Saint-Antoine, la Villette, et qui, eux, vivent dans la misère. Et c'est surtout l'Est de Paris. Alors, c'est les débuts de la révolution industrielle, il faut le savoir. Donc, eux, ils travaillent pour cette révolution industrielle, quoi. Ils ont des journées de travail de 12 heures et plus. Vive l'égalité hommes-femmes, les femmes travaillent comme les hommes et gagnent 50 à 70% de moins qu'eux. C'est la misère noire et il faut le dire, la plupart des femmes ont recours à la prostitution pour nourrir leurs enfants et nourrir la famille. Hein.
Il n'y a aucune protection sociale, il n'y a rien. Donc, pendant le siège, qui a duré 4 mois, il a fait extrêmement froid. La faim a touché les quartiers populaires. Il n'y avait donc plus rien à manger. C'est un état d'insurrection. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, côté situation politique, il y a nos deux hommes qui s'opposent, Adolphe Thiers et Gambetta. Paris s'oppose, Paris qui ne veut pas mourir et qui veut continuer pour s'opposer aux Prussiens et au gouvernement légal. Et de l'autre côté, la province qui, elle, rurale, a voté pour des monarchistes. C'est le divorce entre Paris et la province. L'histoire arrive, la cocotte boue, et un beau jour, un beau matin, et c'est dans une semaine, nous fêterons les 150 ans du 18 mars 1871, Paris se soulève. Et se soulève, en réalité, c'est même pas Paris qui, j'ose dire, mettra le feu aux poudres. C'est que Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, le fameux Ali, hein, qui a 73 ans, eh bien Thiers, il sait qu'il y a des canons dans Paris. Et ces canons sont tenus par les fédérés. Ce sont des canons qui ont été récupérés par souscription populaire. Hein. On a fait fondre des matériaux et on a fait des canons. Et ces canons, ils ont été transférés à Montmartre. Thiers, il n'en est pas question pour lui qu'il y ait des canons à la disposition des fédérés. Et il se dit, moi, je veux récupérer ces canons. Alors, le soir du 17 mars, puisqu'on a considéré qu'il y avait trahison du gouvernement légal, alors ça, c'est une belle caricature. C'est là où il y a le ministre des Affaires étrangères et le petit-fils de Louis-Philippe qui fuient la capitale et qui s'en vont à Versailles. Donc, là, on a considéré que c'était une trahison. Le gouvernement légal, hein, les Versaillais, commence à faire des premières provocations. Elle supprime l'indemnité à la garde nationale en mars 1871, 30 sous par jour. Les autres n'avaient que ça pour vivre, la garde nationale. Hein. 180 000 hommes, ils n'avaient que ça pour vivre. On dit, ben, on vous supprime votre solde journalière. Les trois quarts tombent dans la misère. Le nouveau gouverneur militaire de Paris suspend 6 journaux révolutionnaires et ferme les clubs. Pour mettre une ambiance révolutionnaire, ils ont pris quand même 3 mesures qui a chauffé au maximum. Et le gouvernement, le 7 mars, lève sans préavis le moratoire, c'est-à-dire que le moratoire sur les loyers. C'est-à-dire que pendant un temps, on n'a pas fait payer les loyers. Lors du début de la guerre, considérant que les gens ne pouvaient pas les payer. Là, ils l'ont rétabli. Bon. La veille du 18 mars, Thiers fait emprisonner Blanqui et fait placarder dans Paris. Les Parisiens le verront à 6 heures du matin le 18 mars, dans la nuit du 17 au 18 mars. Habitants de Paris, dans votre intérêt, le gouvernement. Et puis là, j'arrive plus à lire parce que j'ai mon truc à côté. Est-ce que ça s'enlève, help, nascondi? Ah, voilà.
Et le gouvernement est résolu d'agir, le gouvernement légal, que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident la force publique, ils rendront service à la République elle-même. Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse, entier, immédiat et inaltérable. Signé Thiers, et puis tout est... Donc là, il met franchement le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. Et le moment de la rupture, c'est le matin du 18 mars, avec cette fameuse histoire des canons. Les 171 pièces d'artillerie qui ont été récupérées, qui étaient bien mises au chaud, soit à Montmartre, soit dans d'autres endroits, eh bien, Thiers dit, j'envoie l'armée et je vais les reprendre. Il est hors de question que les Parisiens, les fédérés, détiennent ces canons et ils décident de les prendre. L'ennui, c'est que le 18 mars au matin, ce n'est pas tellement des hommes qui vont voir les... Alors, en plus, les Versaillais n'avaient pas pris tous les moyens techniques pour aller chercher ces canons. Ils ont été un peu embêtés avec ça. Et ce sont les femmes et les enfants, parce que les hommes, soit ils étaient déjà partis pour travailler, soit ils n'étaient pas encore levés, mais en tout cas, ce sont les femmes et les enfants qui ont vu les canons récupérés par les Versaillais. Et à ce moment-là, les soldats se sont mutinés et ils ont mis leurs fusils avec les crosses en l'air. C'est-à-dire que les militaires de l'armée régulière ont fraternisé avec les communards. Et les pièces d'artillerie, ben, elles ont repris leur place. Du coup, comment pourrait-on dire? C'est que les gagnants de la journée du 18 mars, c'est la garde nationale. Hein, la garde nationale qui, au matin du 18 mars, a bien récupéré les canons puisque les Versaillais ont fraternisé. Donc, tous les canons ont été récupérés et les fameux communards, ils étaient venus pour défendre la liberté, eux. Hein. Alors, la garde nationale, eh bien, c'est des communards, hein, la garde nationale. Et Paris vont faire la fête. Ils ont gagné la journée du 18 mars, la matinée au moins. C'est une armée territoriale, hein, la garde nationale, composée de citoyens qui effectuent des services ponctuels, donc la garde nationale. Alors, c'est les fameux qui avaient une solde. Alors, si on leur l'enlevait, il ne restait pas grand-chose. Hein, donc, composé des légions avec par arrondissement. Hein. Bon, là, c'est se constituer en fédération et il y a un comité central de la garde nationale. Et il est un peu embêté, ce comité central de la garde nationale qui va siéger, d'ailleurs, à l'hôtel de ville. Parce que lui, il n'a pas voulu trop grand-chose et va hériter de cette insurrection. Donc, élection d'une commune le 26 mars. Le 26 mars, alors, les voilà, les élus hein, de la commune de Paris, 83 membres, élus au suffrage universel masculin, hein, les femmes n'interviennent en rien dans les choix. Contrairement à ce qu'on peut voir ici, parce qu'ils sont tous un peu barbus et tout, ils font un peu plus vieux que leur âge, mais ils ont un bon quart à moins de 30 ans. Donc, ils appartiennent à deux groupes sociaux, artisans, commerçants et ouvriers. Et de l'autre côté, vous avez des professions libérales et des intellectuels, quand même, il en fallait. Hein. Alors, quelque chose de merveilleux parce que cette commune va créer la souveraineté populaire.
Donc, la souveraineté populaire à la Jean-Jacques Rousseau, hein, né de Jean-Jacques Rousseau. Et donc, ils sont responsables devant les citoyens. Par contre, ils n'ont pas d'expérience politique. Et ils sont organisés en commission. Donc, chacun avait son petit travail, justice, enseignement, finance et autres. Donc, Paris a toujours été très... Finalement, elle a quelque chose, Paris, là, avec cette assemblée. Parce que Paris a toujours été fortement blessé de ne pas avoir de municipalité, si on veut. Paris a été dirigé dans les temps jadis par Prévôt des Marchands, puis elle a été dirigée par l'État. Et pendant cette période de la Commune, le maire de Paris, c'est Jules Ferry. Et il faut savoir que de 1870-1871 à 1977 à peu près, hein, il n'y a pas eu de municipalité. Donc, Jacques Chirac, élu en 77 maire de Paris, est l'un des premiers maires de Paris, si on peut. Alors, donc les canons sont repris, les barricades sont montées partout, et finalement le pouvoir s'en va. On a une commune qui est élue. Alors on peut se poser la question, pourquoi pourquoi une commune à Paris? Qu'est-ce que ça veut dire commune? Alors c'est dans le sens de municipalité. Même voir à l'italienne, quoi. Hein. Alors, la première commune, c'est le sens de municipalité, il faut bien l'entendre comme ça. Hein. La commune avec un C majuscule, hein, c'est celle de 1871, mais elle fait surtout référence à une autre commune insurrectionnelle, qui a été mise en place le 10 août 1792, après la chute de la monarchie. Hein. Cette commune, elle va durer jusqu'en 1795, hein. C'est la commune, et qui participait à cette commune, c'est ce qu'on appelait les sans-culottes. Et ces sans-culottes, ils avaient bien, c'est eux qui ont eu le déclic pour ne pas se faire voler la Révolution. Pour eux, ils ne font pas confiance à une assemblée bourgeoise. Eux, c'est fini. Eux, ils veulent construire eux-mêmes, hein. Et donc, c'est cette fameuse commune de 1792 qui ira jusqu'à l'été, jusqu'à la Convention d'ailleurs, hein, et qui est née par l'insurrection du 10 août 92. Alors, il y a des commissaires aussi, hein, comme la suivante d'ailleurs. Hein. Elle est artisanale, elle est ouvrière. C'est une commune telle que... C'est le premier exemple après celle des municipalités. Alors, ces sans-culottes, ils partagent ensemble certaines valeurs. Hein, donc, je ne vais pas y revenir trop, vous parler des sans-culottes, parce que de toute manière, après, je n'aurai pas le temps de parler d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les revendications de 1792, c'est l'égalité des jouissances. Ça, c'est toutes les idées à la Jean-Jacques Rousseau, hein, là-dedans. C'est le partage des richesses, le droit au travail. C'est donc la souveraineté populaire. Dans le partage
dans le partage, il y a la souveraineté populaire, la souveraineté appartient au peuple, dixit Jean-Jacques Rousseau, ou la souveraineté appartient à la nation, et c'est la souveraineté nationale, dixit Montesquieu et la séparation des pouvoirs. Elle appartient à la nation, qui est une entité abstraite, et il faut un régime représentatif. Côté souveraineté populaire, le pouvoir appartient au peuple, et chacun, la première revendication, c'est égalité de jouissance. Chacun peut jouir de la vie, partage des richesses, donc à égalité, et droit au travail. Voilà. Chacun pourra subvenir à ses besoins et aura une existence indépendante. Alors, cette souveraineté populaire, ça implique une démocratie directe et des mandats révocables. C'est-à-dire que ceux qui seront députés ou autres ont compte à rendre au peuple. Voilà. Donc, la commune, la deuxième commune, celle de 1871, donc 10 jours après le 28 mars, on construit une belle estrade avec du tricolore devant l'hôtel de ville. Un maire vient proclamer au nom du peuple, la commune est proclamée. Donc, d'un côté, on aura un gouvernement insurrectionnel de Paris face au gouvernement légal de Versailles. La commune de 1871 est donc bien l'héritière de celle de 1792, basée sur la même chose. Alors, la souveraineté populaire. Donc, début de la guerre civile entre Versaillais et communards. C'est une lutte de classe en réalité entre les ouvriers parisiens et les bourgeois made in Thiers. Donc, insurrection ouvrière. Ils sont tous représentants des métiers. Alors, celle-là, je l'aime bien parce que c'est une belle caricature. On verra beaucoup de Marianne pendant cette période. La Marianne rouge, elle est en haut. En bas, vous avez Louis-Philippe, roi des Français, avec un coq qui chatouille et picore et haute, l'aigle Napoléon III, qui est juste au-dessus. Le Adolphe Thiers, vous l'avez au troisième étage, si je puis dire. Et vous avez au-dessus la Marianne, commune, habillée en rouge, son bonnet phrygien et son drapeau rouge. Image d'une révolution radicale populaire. Image d'une république prolétaire, sociale et socialiste. Voilà. La commune est proclamée, donc voilà ce que je vous disais. Donc, l'Assemblée de la Commune, elle fait gouvernement et municipalité, ce que Paris n'avait jamais eu, hein, la municipalité. Bon, les hommes subissent des pressions de l'extérieur, des clubs. Bon, là, on va passer un peu là-dessus. Mais là, c'est intéressant ce que je vais vous dire maintenant. Si vous regardiez bien, il n'y a pas une femme sur cette photo-là. La révolution ne se fera pas sans les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution sans les femmes. Ce sont les femmes qui l'ont, je n'ai pas créé, mais qui l'ont si créé cette révolution avec les enfants le matin du 18 mars 1871. Par contre, dans l'histoire de la commune, les femmes vont être totalement marginalisées. Elles ne sont pas sur les clichés. Il y en a qu'une femme, on la voit à peine. Elle est dans un coin ici. C'est peut-être Louise Michel ou une autre.
Il n'y en a aucune dans les fenêtres. Hein. Mais bon, l'activisme des femmes a été dévalorisé pendant la Commune parce qu'elles n'ont fait aucun travail politique. Elles n'ont pas été élues, puisqu'elles ne pouvaient pas l'être, et elles n'ont pas point de vue politique, non. Alors, la plus connue des femmes, c'est Louise Michel. Hein. Bon, c'est la quasi-martyre de la Commune. Hein. Elle a été, alors, quand l'affaire se finit mal, on verra après la semaine sanglante, elles sont toutes allées, et même les hommes, hein, dans une colonie pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Donc, elle était institutrice, très pédagogue, elle a écrit. Bon. Il y en a une autre qui est très connue, qui s'appelle Nathalie Lemel. Elle est membre de l'Internationale et elle a été sur les barricades. Elle est partie en déportation avec Louise Michel. Il y a une Russe, Elisabeth Dmitriev. Elle fait partie de l'Union des femmes pour la défense de Paris, parce qu'à cette époque-là, effectivement, il y a eu beaucoup de clubs, beaucoup de réunions qui ont été faites, notamment par les femmes, d'endroits où l'on parlait beaucoup, où on échangeait des idées, et notamment l'oratrice des clubs, Paul Menck, c'est une dame, donc elle anime les clubs politiques anticléricaux dans les églises, mais elles ne seront pas élues, ces femmes-là. Hein. Les voilà. Donc, on a des métros à Paris, Louise Michel, un métro Louise Michel. Madame Nathalie Lemel est bretonne d'origine. Voilà. L'homme maintenant, l'homme communard. Eh bien, le voilà, le communard, le voilà. On le présente, bon, c'est une caricature, hein, mais on le présente effectivement... comme un homme dur. Bon, c'est ceux qui sont arrivés à Versailles, des pauvres, quasiment pour être exécutés quand ils étaient pris. Citoyen de la bonne et de la vraie République démocratique et sociale, hein. Ses ennemis, l'exploiteur, le bourgeois au centre du 19e siècle, le communard, c'est un bourgeois, c'est un urbain. Un urbain, il méprise le rural, hein, le paysan attardé. Bon, voilà, très expressif. Les Versaillais disent des communards qui sont tous bons à fusiller. Et Émile Zola a dit à Versailles, quand on est à Versailles, on se croirait à milieu de Paris et l'on y parle de notre pauvre grande cité comme d'un repaire de bandits. Aucune distinction entre les habitants, tous bons à fusiller. Alors, effectivement, quand des communards seront pris et qu'ils arriveront à Versailles et puis qu'ils seront fusillés, eh bien, il y a un décret de la Commune hein, qui s'appelle le décret des otages qui dit que toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera suivie sur le champ de l'exécution d'un nombre triplé d'otages. Tue un communard, on tue trois Versaillais. Œil pour œil, meurtre pour meurtre. C'est ce qu'a dit Élie Reclus, qui est le frère d'Élisée Reclus, et qui soutient la Commune à propos de ça. Alors, le point le plus difficile pour dans Paris, quoi, c'était le point du jour, notamment, vers ici, fort d'ici. Et c'est là que les Versaillais attaquaient le plus souvent. C'est là d'ailleurs qu'ils vont rentrer à la fin.
Et c'est là que c'est par de là que finira la commune. Alors, il y a d'autres hommes dans cette commune. Alors, en réalité, l'homme que vous voyez ici, c'est Louis Rossel. Alors, la commune n'a pas des grands noms. Elle n'en a vraiment pas. Elle n'a que lui, en réalité, qui s'est distingué. Justement, il n'y avait pas de chef. Et c'est pour ça que tout s'est perdu un peu. Il n'y en avait qu'un qui savait commander aux autres, et c'est Louis Rossel. Alors, lui, il a vraiment détesté la reddition de Bazaine à Metz. Et lui, c'est un vrai soldat, il a fait Polytechnique, et il a une formation militaire et il va démissionner à cause de l'indiscipline, alors là, je ne sais pas ce qui se produit, contre l'indiscipline des troupes. Cet homme-là, il va passer devant un conseil de guerre, hein, parce qu'il n'arrive pas à faire que ces décisions soient prises, soient suivies par les communards. Lui, il a été formé à Polytechnique, il connaît, entre guillemets, l'art de la guerre, il sait commander, mais les communards ont un esprit totalement… sont libres, hein. Et à la fin, épuisé, le pauvre garçon, il va démissionner contre l'indiscipline de ses troupes. Hein. Et il finira d'ailleurs en conseil de guerre et il sera tué. Et après, donc c'est un protestant, il est de Nîmes. Alors lui, il n'est pas du tout au Père Lachaise, hein. Il est enterré à Nîmes dans le carré protestant. D'autres hommes, Zéphirin Camélina. Alors lui, il est directeur de la monnaie de Paris. Et d'ailleurs, c'est lui qui a créé une pièce particulière. Je vais vous trouver quelque chose de mieux sur lui parce que, alors le fameux Louis Rossel, ah oui, alors Zéphirin Camélina, il a fait fondre une pièce, une partie de l'argenterie impériale qu'il a récupérée dans les palais et il a fait des pièces de 5 francs et figurez-vous que ces pièces de 5 francs sont très recherchées. Le monsieur Broussel, lui, il a fait… il n'est pas très aimé au sein de la commune, hein, mais il a fait quelque chose de particulier. Il est écrivain de science-fiction, figurez-vous. Et à la fin, lorsqu'ils reviendront tous de Nouvelle-Calédonie, lorsqu'ils auront été amnistiés, il va populariser un sport parce qu'il a été à Londres et il va populariser un sport en France qui n'est rien d'autre que le football. Donc, si on doit le football à ce monsieur. Nous avons Eugène Varlin. Varlin, lui, un ouvrier élu au comité central de la commune, membre de la commission des finances. Alors, lui, il a été achevé sur la butte quasiment de Montmartre et sous les insultes. Franchement, il y en a qui ont… C'était terrible à la fin, quoi. Hein. Alors, Charles Delescluze, qu'on trouve au Père Lachaise, d'ailleurs, il est mort sur une barricade en mai. On a Jules Vallès. Ah, alors, celui-là, il faut lire sa trilogie, « L'enfant, le bachelier et l'insurgé ». L'insurgé, c'est la commune de Paris. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup d'étrangers qui ont participé à la Commune de Paris, et notamment des Italiens notamment garibaldiens. Hein.
Garibaldi qui a refusé le commandement de la garde nationale, il n'en pouvait plus, hein, de ses combats en Italie, mais on en a d'autres, comme Léo Frankel, qui lui est hongrois. Alors lui, je ne l'ai pas trouvé au Père-Lachaise, mais bon, il y est, il doit être bien caché. Et il y a eu des enfants qui ont participé à la Commune. Bon, il y a eu des femmes, bon, avec le mythe des pétroleuses, mais bon, ok. Il y a eu beaucoup d'enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants solitaires dans Paris, en vagabondage. À quel âge considérait-on qu'on était enfant? Ils commençaient déjà à travailler très, très tôt. Donc, en réalité, au sein des bataillons et sur les barricades, ils ont participé à la défense des barricades avec rien. Gavroche, ce n'est pas la Commune de Paris, hein, je tiens à le préciser. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Commune? Alors, on ne peut pas parler d'œuvre, parce que ça a duré trop peu de temps. On ne peut pas parler d'œuvre sur la Commune. Mais il y a eu vraiment un espoir gigantesque sur cette Commune. Franchement, l'espoir était immense. Son bilan, il est moyen, mais l'espoir était immense. Alors, il faut savoir que la Commune a communiqué par voie d'affichage. D'ailleurs, la veille, le soir entre le 17 et le 18, c'est par voie d'affichage que Thiers a dit ne vous révoltez pas, sinon ça va être sanglant, ça l'a été. Et la Commune a toujours, elle, également son comité, communiqué par voie d'affiche aux citoyens parisiens. Par exemple, remise des loyers échus d'octobre à avril. Alors, ça, c'est ce qu'elle a fait, je vous le dis, en vrac, si vous voulez. Mais la Commune est anticléricale. Elle développe des idées totalement anticléricales. Hein. L'enseignement, il va être laïcisé. La Commune sépare l'Église de l'État et elle supprime le budget des cultes, qui viendront d'ailleurs propriété nationale et autres. Jusqu'à présent, l'Église était toujours l'alliée du pouvoir. Là, avec la Commune, c'est terminé. La Commune mène une lutte contre l'institution qu'est l'Église. Alors, c'est vrai que quand l'insurrection s'est terminée à la fin mai 1871, en réalité, les milieux enseignants qui étaient devenus laïcs ont continué le combat contre l'Église. Et c'est bien 30 ans plus tard, sous le ministère du petit père Combes, qu'on parlera et qu'on reparlera et qu'on en parle encore de la séparation de l'Église et de l'État et de la laïcisation de l'enseignement public. C'est né pendant la Commune. Donc, cette séparation de l'Église et de l'État, c'est à quelque chose dont on tient beaucoup en France. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue et on en parle encore. Donc, suppression du budget des cultes, abolition de l'armée, abolition de la conscription et de l'armée permanente. C'est vrai que pour les communards, l'armée, c'était quelque chose de nocif. C'était un danger même. C'est le peuple qui est armé. Et c'est vraiment révolutionnaire l'idée, d'ailleurs, c'est la révolution. Et toutes les autres révolutions, quel que soit le pays où la commune a inspiré d'autres pays, on le verra la prochaine fois, qu'ils soient riches, russes ou autres,
hein, eh bien, c'est le peuple en armes. Ce n'est pas l'armée. Alors, suppression du travail de nuit pour les boulangers. J'ai trouvé ça très bizarre, mais bon. Point de vue de l'éducation, donc l'école laïque gratuite et obligatoire. Plus de congrégation. Et vous allez voir, et multiplication des écoles pour les filles. Franchement, là, la commune a fait des choses que l'on peut, ou a commencé à faire des choses, j'ose pas dire merveilleuses, le terme est peut-être mal choisi, mais très réformatrice, très, très en avant. Alors, évidemment, l'œuvre, ça n'a pas été jusqu'au bout, hein, et loin de là. Alors voilà, j'ai trouvé quelques affiches, puisqu'on se parle par voie d'affiches. À la mairie du 3e arrondissement, quelque chose de pour l'époque, de merveilleux quand même. Regardez, fourniture gratuite aux élèves des écoles communales. Nous informons les parents des élèves qui fréquentent nos écoles qu'à l'avenir, toutes les fournitures nécessaires à l'instruction seront données gratuitement par les instituteurs. C'est merveilleux. L'école laïque, donc citoyen, donc là c'est vraiment délégation communale du 2e arrondissement. Et alors, quelque chose qui, je ne pouvais pas manquer de vous le mettre. Vous savez que pendant l'hiver parisien de 1870-1871, il n'y avait rien, mais il y avait des Parisiens sont morts, des enfants sont morts, mais surtout, il y avait la variole. Et donc, eh bien, il y a une affiche du 14e arrondissement de Paris qui dit que les membres de la commune pour le 14e arrondissement informent leurs concitoyens que le service des vaccinations aura lieu à l'école communale de filles, place de la mairie, les mardis et samedis de chaque semaine. Je trouve qu'en période de pandémie coronavirus, c'est quand même à noter. Et vous lisez ensuite qu'une prime de 3 francs en argent est accordée à chaque famille qui aura fait vacciner son enfant et dont les succès de l'opération et dont le succès de l'opération aura été constaté par les soins des médecins du bureau de l'assistance. Moi, je trouve que ces 3 affiches sont vraiment significatives de ce qui a été fait ou voulu être fait par la commune. Alors, anticléricalisme, abolition de l'armée, fraternisation avec tous les peuples. Le drapeau tricolore, il a été remplacé par le drapeau rouge. Hein? Solidarité entre les peuples, fraternité, paix, haine des rois et des tyrans, bon j'en passe, haine des rois et des tyrans, d'ailleurs, renversement de la colonne impériale, hein, qui a coûté quelques mois de prison à certains. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Fédéralisme des communes, décentralisation administrative. Pas mal quand même, hein, dans un pays comme la France. Autonomie des communes, notamment les communards marseillais, vous voulez ça, hein. Et c'est d'ailleurs la première fois que l'autonomie sera évoquée. Alors, donc c'est sur les murs de la ville que pendant les 72 jours du gouvernement de la commune, que les Parisiens pouvaient lire décret, les impayés et tout ce qui était gages et loyers, des engagements, des objets qui ont été mis au mont de piété, remise des loyers, tout ce que les autres s'étaient empressés de mettre juste au début, là, avant,
avant 18 mars, ils ont voulu faire un appareil administratif avec des fonctionnaires, des postes, des transports, des fonctionnaires à moindre coût et efficaces. Là, je ne sais pas. Et il semble qu'effectivement, pendant la commune, ça a été mieux géré qu'avant. Et qu'après, d'ailleurs. Drapeau rouge adopté. Ils ont repris des ateliers et des usines par des collectifs d'ouvriers. Donc, si on reprend, on a adoption du drapeau rouge, celui des travailleurs, remise générale des loyers qui est d'octobre 70 à avril 71, suppression de la vente des objets qui avaient été déposés au Mont-Piété, abolition de la conscription, école gratuite et obligatoire pour les filles et les garçons, séparation de l'Église et de l'État, suppression du budget des cultes, interdiction du cumul de certains traitements. Les membres de la commune recevaient 15 francs par jour, les instituteurs et les institutrices 2000 francs par mois. Les enfants illégitimes, c'est-à-dire les enfants qui étaient nés hors mariage, on a supprimé cette catégorie et on a reconnu les unions libres. Il y a des projets qui n'ont pas abouti, par exemple la réorganisation de la justice. Là, il aurait fallu plus de temps. Je pense que, franchement, en 72 jours, ils n'ont pas pu... L'élection des fonctionnaires, ça non plus, ça ne s'est pas fait. La République de Paris, la commune, c'est là où on se parlait le plus dans les clubs, où il y avait beaucoup de dames, où on discutait de la guerre, des curés qu'on n'aimait pas, de la propriété, et comment arriver à la fin de la misère pour tout le monde. Alors, le paysage urbain est aussi modifié, c'est-à-dire que, alors là, c'est pas dans le bon sens, si on peut dire. Le drapeau rouge flottait sur les monuments parisiens, et des bâtiments officiels, la destruction de la colonne Vendôme, les statues des saints et des personnages historiques sont recouvertes d'un voile noir. Alors que maintenant, on veut déboulonner des statues, à l'époque, on les recouvrait d'un voile noir. Des lieux sont rebaptisés, les Tuileries et l'Hôtel de Ville sont ouvertes au public et la culture est pour tous. C'est-à-dire qu'on a ouvert le musée du Louvre. Ça pouvait craindre parce que, ça pouvait être dangereux avec tous ces révolutionnaires, mais non, ça a été ouvert même pendant la période de la Commune. Ce qui voulait dire que un autre monde était possible. Il y avait eu un échec en 1830. Il y avait eu un échec en 1848. Donc, en 1871, c'était vraiment l'espoir. Et la révolution, c'était le seul moyen pour changer la société. Leurs deux idées, c'était justice sociale et liberté d'expression. Donc, je vais finir sur cette note d'espoir. Alors après, ça se finit tragiquement, la culture. Certes, ça se finit tragiquement. Moi, j'adore cette phrase. La culture ne devait plus être un luxe réservé à une élite, mais un bien commun. Et c'est donc Courbet qui a payé de quelques jours de prison, 6 mois de prison quand même, le fait d'avoir participé au déboulonnage de la statue, de la colonne Vendôme à la grandeur de Napoléon. Alors,
Ben, Paris a quand même vécu pendant la Commune avec les impôts classiques et tout. Au jour le jour, tout le monde est arrivé à vivre. Les services publics ont fonctionné aussi efficacement qu'avant, qui étaient avec des fonctionnaires parasites. Il y a eu des boucheries municipales, il y a eu des cantines pour les indigènes et la poste fonctionnait. Alors, je vais vous donner mes sources, mais avant, je vais faire une petite… Alors, mes sources sont variées, vous verrez. Alors, on a vu ce qui a mis le feu aux poudres, hein, le 18 mars 1871, et qui a conduit à une guerre civile sous les yeux des Prussiens, qui n'était pas tellement beau, quoi. D'un côté, on avait les fédérés, et de l'autre côté, les Versaillais, qui considéraient qu'à Paris, ils étaient tous bons à être fusillés. Alors moi, je pense que la Commune, après la Révolution de 1789, c'est quand même le véritable tournant d'histoire. Parce que sous le Second Empire était née l'industrialisation. Et donc, il y avait un prolétariat révolutionnaire qui est apparu. Alors, c'est vrai que la France, donc, c'était un prolétariat révolutionnaire, organisé. C'est vrai que la France a été relativement frappée souvent par ces périodes révolutionnaires, hein, jusqu'à arriver au bonnet rouge et au gilet jaune. D'ailleurs, il y avait, je n'ai pas osé vous la mettre, il y avait une l'idée de continuité. C'était un gilet jaune qui portait sur son gilet écrit dans le dos 1830, 1848, 1871. Donc, ils citaient tous. Et ce qui voulait bien dire que il se mettait dans la continuité des mouvements révolutionnaires de 48, de 71. Enfin, mouvement révolutionnaire de 71 a conduit à une guerre civile qui n'est pas. Les Versaillais, eux, ils faisaient la guerre à des brigands, à des fanatiques, à des étrangers. Et les autres, les fédérés, considéraient qu'il menait une guerre juste. Eux, c'était pour défendre le travailleur contre le capital. Alors, les hostilités vont aller jusqu'à la semaine sanglante, que je vous présenterai la prochaine fois. C'est vraiment une période encore plus difficile, cette semaine sanglante. Il y a eu jusqu'à 900 barricades dans Paris. On ne saura jamais combien il y a eu de morts côté communard. Ce n'est pas simplement une insurrection populaire, c'est une guerre civile entre deux gouvernements et deux armées. Alors, comment la municipalité de Paris va commémorer les journées des 150 ans de la Commune de Paris? Généralement, ils se réunissent au mur. Au mur des fédérés au Père-Lachaise. Alors, il y en a déjà qui ont au Conseil de Paris. Hein. Il y a déjà eu une annonce en début février par des conseillers de Paris faisant partie de la droite parisienne qui ont dit qu'il ne devrait y avoir aucune commémoration pour ces 150 ans de la Commune. Parce que célébrer cet anniversaire, ça vient à célébrer les événements les plus violents de la Commune. Bon, on peut commémorer sans célébrer, quoi. Alors, comment aller raconter cette période d'histoire? C'est difficile d'être objectif en histoire. Il faut être lucide. Alors, il y en a certains qui racontent d'une façon, d'autres qui racontent de l'autre. Il faut être lucide et loyal, comme avait dit Madame Simone Veil, d'ailleurs. La loyauté, c'est le premier devoir des historiens.
Et il faut être lucide, il faut prendre conscience de certaines choses qui se sont faites. Faut quand même pas oublier que l'œuvre de la commune, bon, c'est court, 71 ou 72 jours, mais elle est quand même très, très importante. On peut dire qu'elle a montré le chemin, cette commune. Certaines décisions ont mis du temps à être adoptées, hein, comme notamment la séparation de l'Église et de l'État. Dans certains domaines, sûrement, beaucoup de temps ont été perdus. Alors, je finis et je vous dis mes sources. Alors, elles sont variées. Est sorti très récemment, janvier 2021, Paris 1871, L'Histoire en marche. C'est quelque chose, c'est un livre fabuleux, qui est quasi mon livre de chevet maintenant. 21 circuits pédestres sur les traces de la commune. Sincèrement, c'est un livre magnifique qui passe arrondissement par arrondissement et qui finit au Père-Lachaise. Donc, dimanche dernier, j'ai fini au Père-Lachaise pour prendre les photos des sépultures de certains qui sont au Père-Lachaise. Bon, il y a Pierre qui est au Père-Lachaise. Hein, et il y en a, je crois qu'ils sont 17. On a eu 17 sépultures. Alors, il y a la revue La Rue. Et là, si vous lisez bien, revue culturelle et littéraire d'expression anarchiste. Eh bien, il faut quand même avoir les deux sons de cloche. Voilà. Côté roman, je vous conseille La Débâcle dans sa troisième partie, effectivement, après avoir parlé de Sedan dans les deux premières, eh bien, Émile Zola parle de la Commune de Paris où les deux amis, l'un tue l'autre, parce qu'ils sont pas des bons côtés, des deux côtés différents des barricades. J'ai beaucoup aimé L'homme aux lèvres de saphir. C'est un roman policier que j'ai lu et je vous montrerai, il y en a un deuxième. Alors, Grand Prix du roman noir français à Cognac en 2005. Et ça raconte pendant le siège de Paris, alors c'est du policier, hein, ça raconte l'histoire d'un homme qui tuait d'assassinat pendant cette période. Et par contre, on y voit bien le petit peuple, comment il vivait dans la misère, les femmes obligées de se prostituer, toute une. Là, on passe du temps dans les maisons closes. Hein. Je crois que c'est tout ce que je vous ai à vous dire là sur. Et alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le mettre. Et pour l'écouter, il faut activer l'audio. Mais pas ton audio, c'est l'audio du partage. Ah, vous l'entendez pas? Mais mal parce que ça dérive de ton Ah, micro. d'accord, ben, je ne vais pas vous Oui. le mettre. Alors, Ouais. c'est la chanson populaire Le temps des cerises. C'est dommage, vous pouvez aller l'écouter. C'était par YouTube. Yvon Tan. Alors, elle a été composée par Jean-Baptiste Clément, qui prépare à la Semaine sanglante. Et c'est une chanson d'amour après coup associée à la commune. Et elle est dédiée à une jeune ambulancière qui sauva la vie de ce monsieur le 28 mai sur les barricades. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé. N'y a plus Merci personne. Mireille. Merci Non, non, Mireille. non, nous sommes là. Nous Ah, sommes là. on est encore là. On est encore là et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt. Merci pour le diaporama que Lello a déjà diffusé sur la chat. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent, voilà,
peuvent prendre le diaporama mis à disposition pour tout le monde sur la chat. Et il y a aussi, j'ai mis le lien pour écouter Yves Montand. Mm-hmm. Ah ben oui. Le temps des cerises. Voilà. Et donc, je remercie tous pour la participation et pour la plongée dans l'histoire française qui est toujours intéressante. Mm-hmm. Merci. Alors, si la suite vous intéresse, ben, elle aura lieu. Le jeudi, alors je ne sais plus si c'est 25 ou 26 mai, mais avant, on aura vu quand même, on sera passé le 5 mai, le jeudi 5 mai, une toute autre affaire qui est la mort de Napoléon. Parce que c'est effectivement l'anniversaire, ce sera l'anniversaire de la mort de Napoléon. Donc, on aura l'occasion de dire quelques mots là-dessus. Mais cette histoire sur la Commune, c'est vraiment, c'est passionnant, je dois le dire. Si vous avez quelques questions, je veux bien y répondre, même si je vois que vous êtes tous un peu partis. Non, il y a encore 20 personnes. Ouais. Je voudrais dire, d'abord remercier tout le monde et après vous dire qu'il y a sur notre site Alliance Française, alliancefr.it/culture, pluriel, il y a les prochains rendez-vous. Là, nous avons toutes les rediffusions qu'on a fait, même celle d'aujourd'hui, de Mireille, elle est déjà en ligne. Et les prochains rendez-vous, jeudi prochain, il y aura une très belle rencontre avec Marie-Christine Van Dorn, puis organisée par Catanzaro, Reggio Calabria, Cuneo. Puis il y aura jeudi 25, une conférence organisée par Treviso. Après, toujours Vérone, un atelier d'écriture animé par Armel Gréant. Puis, les histoires extraordinaires des matières premières, animé par Alessandro Giraudo et organisé par La Spezia. Le 6 mai, jeudi 2021, il y aura une autre conférence de Mireille sur les 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte. Voilà les prochains rendez-vous des Alliances françaises. Donc, il y aura beaucoup de choses encore à voir et entendre. Voilà, là, vous pouvez, réactiver votre micro et poser des questions, si vous le voulez, si vous le souhaitez, à Mireille. Elle a été tellement exhaustive et a tellement dit plein de choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a... Elle a tout éclairci. Voilà. Elle est très précise, elle est très détaillée. Je ne sais pas si pour Annalisa et Véronique, j'ai tout dit, hein, des prochaines rencontres. Voilà, parce que c'est vous qui les organise. Là, nous sommes en tant que compagnie technique. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Annalisa. Bonsoir. Merci beaucoup, Mireille. J'ai une petite question. Je n'ai pas compris une chose. Quand vous parlez de les clubs, par exemple, l'oratrice des clubs, Paul Mink. Voilà, les clubs, c'est quoi? Les clubs, ils se réunissaient un peu, même dans des églises, pour échanger des idées, des grandes idées, parler sur soit l'évolution des femmes, qui à cette époque a vraiment pris un petit essor pour parler de tout sur des thèmes. Ils échangeaient beaucoup dans des clubs.
Voilà, c'est à peu près des associations, on peut dire. Voilà, ils appellent ça des clubs. C'est ça. Des Merci. salons un peu plus Des populaires. salons, oui, Voilà. jardin littéraire, mais Voilà. en moins chic. Voilà. Voilà, merci. Merci vraiment, Mireille, hein. Merci. Alors, je pense, Mireille, s'il y Oui, aura ben. d'autres questions, les Non, collègues mais ça ont peut venir non. la prochaine Oui, bah, fois. bien sûr, la prochaine Oui. fois, on va stimuler le débat pour la prochaine fois. Tu l'as prévu pour quand, Mireille? Ben c'est un jeudi, c'est le jeudi. Attends, je vais te dire tout de suite, jeudi. Bah, je peux te dire, hein, j'ai le calendrier moi aussi. C'est Lundi, le 20, 6 20, mai. 27. Jeudi, c'est le 27. jeudi 27. Jeudi 27. On a le 27. même calendrier, tu te rends compte? En Italie, on a le même calendrier qu'en France. Mais j'ai lu Rigole. sur le Sur l'ordinateur, moi aussi, c'est non, ça. là, j'ai vu qu'il y a six, il y a écrit 6 mai sur le 6 mai, calendrier. c'est pour Napoléon. C'est C'est pour Napoléon. Napoléon, oui. Oui. Et Jeudi le 6 mai. 27, c'est la Là, commune oui, d'accord. C'est a bien parti. Alors, C'est la deuxième partie de la de la commune. commune, D'accord. oui. Oui. Excusez-moi, oui. Et le 5 mai, c'est les 200 ans de la mort de Napoléon. Il faut Le 6 savoir qu'il mai. Le 6 mai, Mireille, le 6 mai. non, mais il est mort le 5, mais nous, Ah on sera le 6. oui. Je ne sais pas, on ne sait pas ce que va faire à Paris, s'il y aura des événements. C'est vrai qu'avec ce Covid, tout est annulé. Je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui les journaux télévisés. On parlait aussi de Napoléon et on a eu des interviews Il y a une dans grande la rue exposition. et aussi des historiens qui ont dit oui, mais on ne peut pas juger un homme il y a 200 ans avec les lunettes d'aujourd'hui, avec les parce Ouais, que les yeux oui, d'aujourd'hui. il est misogyne. OK. Mais combien d'autres ont été misogynes aussi? Mais quand même, il faut l'évaluer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a la contribution qu'il a donnée au progrès, au développement de l'Europe. Le code napoléonien, il est encore à la base de la législation de beaucoup de pays. Et il y a eu des changements très forts durant sa. Et c'est simple de mettre tout à la barre du MeToo, Ah la ben oui, misogynie, c'est sûr. etc. À déboulonner toutes les Il statues, faut c'est sûr. être, comment dire, cadrer les choses dans leur époque. Et bon, donc, il y avait ce débat-là en France et j'ai eu quelques échos à travers la télévision italienne aussi. Alors, il y a une grande exposition qui va avoir lieu à Paris sur Napoléon du 14 avril à septembre 2021. Donc, j'espère y aller parce qu'on ne sait jamais avec le Covid. Et ben, je vous ramènerai quelques photos. On pourra faire quelque chose entre la photo de l'expo et puis les grands principes développés sur ben oui, l'organisation, ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est surtout l'esclavage, enfin toutes ces choses-là. Donc, bon, on pourra effectivement voir tout ça. Voilà. Ok, alors merci Mireille, Ben, de rien. merci Véronne, merci Lia et merci à vous d'être là, Et merci à toi. Merci encore beaucoup à là toi présent. et aux participants. Bonne Oui, soirée. Bonne bonne soirée à toi, soirée à Mireille. tout le monde et à la prochaine initiative de la Fédération des Alliances Françaises. Ciao, ciao à tous!